ta gueule. Cette semaine, coup de projecteur sur des lutteurs hors pair. L'un a empoché la médaille d'argent au dernier championnat du monde de Bakou en septembre dernier. L'autre, la médaille de bronze. Steve et Christophe Guénaud, frères de sang et de lutte, iront tous les deux aux Jeux Olympiques. Pierrick Morel a rencontré les deux pensionnaires de l'US Métro en préparation à l'INSEP. Sur le tapis, un Guénaud peut en cacher un autre. Christophe, 29 ans, et Steve, 22 ans, sont tombés dès la naissance dans le chaudron des lutteurs. Mon père, il a amené tous ses frères, donc tous nos oncles, les cousins, on a tous fait de la lutte en fin de compte. Et c'est devenu notre passion, hein. C'est comme toute notre vie quasiment maintenant. Puis tout petit, c'est notre famille la lutte. On voit plus souvent nos entraîneurs et nos lutteurs que nos parents et tout. C'est Christophe qui a ouvert la voie il y a 10 ans en quittant sa Bourgogne natale pour l'INSEP. Triple champion de France, médaillé d'or aux Jeux méditerranéens. Le petit frère est jaloux et lui emboîte le pas. Ah, c'est vrai que c'était un modèle, hein, quand j'étais petit tout. Je voulais l'imiter, je voulais lutter comme lui. Je voulais faire sur le grand frère, quoi. Donc j'avais l'INSEP, mon but c'était l'INSEP. Je suis rentré à la RATP, il m'a suivi 3 mois après. J'ai eu l'appartement, il est venu à l'appartement. En fait, il me laisse faire, il me dit comment ça se passe. Et après, il vient. On fait le régime ensemble. On part en stage dans les pays de l'Est où c'est très dur, on est dans la même galère. Donc on se soutient mutuellement et donc ça c'est important. Une union qui fait leur force. Dans leurs catégories respectives, les frangins seront en haut de l'affiche à Pékin. Un avenir en or leur tend peut-être les bras. Le jeu, ouais, c'est possible, là, ouais, c'est toujours possible. C'est possible, là on a fait médaille mondiale. Au JO, ça sera les mêmes adversaires, donc y a un combat à gagner en plus, quoi. C'est la